pas bien là. Voyez cette femme là que je viens revoir aujourd'hui. Un demi-million, je répète, je peux le prouver, c'est ma... Un demi-million de personnes l'ont vue sur les réseaux sociaux. Voilà. 500 000 personnes l'ont vue et appréciée. Est-ce que tu te souviens comment on a parlé tous les deux? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ok. Et en fait, je lui ai demandé, si tu veux quelque chose de moi, qu'est-ce que tu veux? Elle me répond, une maison. Carrément une maison. Et j'ai été, tu te souviens, j'étais choqué ou pas? J'étais choqué parce que pour moi, une maison, c'était trop. Et après, elle a rajouté un magasin de paille. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me donnes contre ça? Et elle me dit, un bisou, un merci. Je dis, ah bon, tu me payes avec un merci? Et après, elle dit un bisou. Bon. Et moi, je voulais te revoir parce que je voulais déjà, te remercier. Te remercier parce que tu avais été spontané. Et que aussi, tu m'entends bien ou pas? Ouais. Et que aussi, sur les 500 000 personnes, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qu'on a fait tous les deux. Et je voulais revenir te voir parce que je voulais leur dire à ces gens-là qui nous écoutent et qui nous regardent que on a blagué tous les deux. Quand moi, je t'ai dit, je te veux dans mon lit, contre la maison, évidemment que c'était pour rire. Et il y a des gens qui ont cru que je voulais vraiment échanger la maison. Et que toi, quand tu m'as dit oui, tu blaguais avec moi, n'est-ce pas? Parce que toi et moi, nous sommes des gens intelligents. Et c'est ça que je voulais dire là, face à eux. C'est qu'il n'y a pas le blanc qui veut avec ses euros, qui veut coucher avec une femme, qui dit oui contre une maison. Non, il y a une femme formidable et il y a un homme formidable. Et ceux qui croient autre chose, on les emmerde. C'est tout.